Dans cette vidéo, on va étudier le cas d'assemblage boulonnais, c'est-à-dire à serrer avec une vis et un écrou ou une vis et un tarodage, qui vont subir une force de séparation. Et on va essayer de voir combien serrer la vis pour éviter justement que les deux parties serrées ne viennent se séparer. On va étudier l'assemblage boulonnais de deux carters, par exemple, avec un écrou. Quand on va serrer la vis, on va lui appliquer un couple de serrage. Ce couple de serrage va produire un effort de serrage de ces deux carters l'un avec l'autre. Cet effort de serrage va se dérouler quand il n'y a pas de sollicitation entre les deux carters. Nous, ce qu'on va essayer de vérifier, c'est s'il s'applique ensuite en fonctionnement un effort de décollement de ces deux carters, c'est-à-dire s'ils ont tendance à se séparer l'un avec l'autre, quel effort de serrage on va devoir appliquer. Attention! Le but de ce cours est bien de comprendre que l'effort de décollement est différent de l'effort de serrage, contrairement à ce qu'on pourrait penser de première approche. On va essayer de démontrer ça là assez rapidement. Alors d'abord, imaginons l'assemblage qui n'est pas serré. Je serre l'écrou, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, les carters vont venir se comprimer sous l'effort de serrage de la vis. Ensuite, je mets le système en fonctionnement. Il va y avoir un effort de décollement. Cet effort de décollement, qu'est-ce qui va se passer? Il va allonger la vis. Donc les carters vont avoir tendance à revenir en position initiale. Eh bien, il faut qu'ils soient suffisamment écrasés sous l'effort de serrage, de manière à ce que quand la vis va s'allonger sous l'effort de décollement, ils viennent compenser ça. Ceci mis en équation, ça dit que l'écrasement, donc le delta L de l'alésage sous l'effort de serrage, doit être supérieur au delta L de la vis, c'est-à-dire l'allongement de la vis, sous l'effort de séparation ou l'effort de décollement. Pour calculer ce delta L, cet allongement ou cette compression, on va utiliser la formule de résistance des matériaux. Delta L est égal à la force fois la longueur divisé par le module de Young du matériau fois la section comprimée ou étirée. Dans le cadre de la vis, on prendra la section du noyau de la vis. Effectivement, la vis ayant des filets, on va considérer qu'elle va se comporter comme un cylindre qui n'aurait pas de filet, qui aurait comme diamètre le diamètre du noyau. Ici, là, hachuré en jaune. La section du noyau est à déterminer en fonction de la taille du filet, du type de filet de la vis. Au niveau de l'alésage, dans le cadre où on a un carter qui est complexe, ce qu'on va prendre, on va prendre un cylindre équivalent qui va se comprimer, qui est égal à 1,5 fois le diamètre de la tête de la vis qui vient le comprimer. Ça se vérifie très bien ici avec une simulation aux éléments finis. Allez, maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de traiter un exemple pour voir comment utiliser ça. Alors, au niveau de la visserie, on va prendre un catalogue de visserie, ici en haut, qui est un catalogue FACOM, et on va prendre un exemple avec une longueur d'alésage, une vis en acier, un alésage qui est lui, enfin des carters qui sont en aluminium, et un type de vis particulier. On va considérer qu'il n'y a qu'une seule vis. On va appliquer un effort de séparation de 4000 newtons entre mes deux carters. Et ce que j'aimerais savoir, c'est de combien je dois serrer ma vis et surtout quel type de vis, quelle classe de qualité de vis choisir dans mon tableau FACOM. Première chose à faire, ça va être de calculer déjà la section du noyau de la vis. Si je dessine les filets de la vis, je dessine juste une dent de la vis, la largeur de la dent de la vis, c'est le pas. Le pas, je peux le lire directement dans le catalogue. C'est-à-dire ici 0,8 mm pour une vis de diamètre 5, celle que j'ai choisie. Quelle est la hauteur du filet? Eh bien, je vais la déterminer, vu que c'est une vis de type ISO, je sais que son angle au sommet fait 60 degrés. Ça veut donc dire que si je dessine le triangle rectangle qui est constitué donc d'un demi-filet, ça fait un triangle rectangle avec un angle opposé de 30 degrés, qui a comme largeur en bas la moitié du pas, c'est-à-dire 0,4 mm. Ça me permet donc, grâce à des relations de trigonométrie, de trouver la hauteur du filet. Alors bien sûr, pour faire ça, soit vous faites de la trigo comme ici, soit vous allez chercher ça dans un catalogue. J'applique ma relation de trigonométrie et je trouve donc ma hauteur du filet. Je sais d'autre part que mon filet va être de part et d'autre de ma vis, donc je le retrouve deux fois. Moi, ce que je cherche, c'est donc le diamètre du noyau ici, et je connais le diamètre de la vis. Moi, c'est une M5, donc il fait 5 mm. Donc le diamètre du noyau, eh bien, il faudra que je lui retranche deux fois
la hauteur du filet. Grâce à ça, je trouve mon diamètre. Je peux donc calculer la section du noyau. C'est une section cylindrique, donc la section est égale à pi des 2 sur 4. Je trouve une section de noyau de 10,2 mm². Je vais pouvoir trouver maintenant l'allongement de la vis sous l'effort de séparation, en appliquant ma formule de résistance des matériaux. Delta L est égal à la force de séparation multipliée par la longueur de la vis. Alors attention, ce n'est pas la longueur totale, hein, c'est la longueur de l'assemblage divisée par le module de Young fois la section. L'effort, je le laisse en newton. La longueur en millimètres. Le module de Young, E, lui, je vais le mettre en mégapascal. Comme je l'ai dans l'énoncé en gigapascal, je le multiplie par 1000. Et la section du noyau, je la laisse en millimètres carrés. Ça me donne donc un allongement de la vis qui est relativement faible. Et c'est heureux. Je note la valeur, je vais la garder dans un coin. Maintenant, j'écris ma relation. Je sais que l'allongement de la vis, sous l'effort de séparation, doit être inférieur à l'écrasement de l'alésage sous l'effort de serrage, lui. L'allongement de la vis, je connais sa valeur. Je peux la réécrire. L'écrasement de l'alésage, lui, je ne connais pas sa valeur. Effectivement, je ne connais pas encore l'effort de serrage, vu que c'est ce que je cherche. Alors j'écris l'effort de serrage multiplié par la longueur de l'assemblage, toujours 50 mm, divisé par le module de Young de mon alésage. Ça va dépendre du matériau de mon alésage et la section de l'alésage. Le module de Young, lui, je l'exprime en mégapascal, donc je multiplie la valeur de gigapascal par 1000. La section de l'alésage, eh bien, il faut que je détermine le cylindre équivalent, quelle que soit la forme du carter. Je vais trouver un cylindre équivalent. Donc ce cylindre équivalent a comme longueur la longueur de l'assemblage. Le diamètre du trou, ça va être un diamètre de passage pour ma vis de M5. Donc je vais lui rajouter par exemple 5 dixièmes de millimètre pour que ma vis puisse passer. Et le diamètre extérieur, je vais regarder la dimension de la tête, ici 8 mm, que je vais multiplier par 1,5. Bon, c'est une règle qui est relativement bien vérifiée par simulation. Ce qui me donne donc une surface cylindrique de mon alésage qui est égale à pi fois d carré du grand diamètre moins d carré du trou, le tout divisé par 4. La surface de mon alésage, la surface du disque creux, est égale à 89,3 mm carré. C'est bien cette surface ici que vous voyez dessinée, que je calcule. Ainsi, je vais pouvoir le renseigner dans ma formule. La seule inconnue qui me reste, c'est l'effort de serrage. En le mettant de l'autre côté de l'inégalité, ça me donne donc que l'effort de serrage doit être supérieur au déplacement de la vis sous charge, multiplié par le module de Young fois la surface, eh bien, de mon alésage, hein, le tout divisé par la longueur, ce qui me donne donc un effort de serrage de 11 845 newtons. Si je regarde dans mon tableau, la classe de qualité la plus élevée de vis ne permet pas de transmettre cet effort de serrage-là. Ce qui veut donc dire qu'en conclusion, même en prenant une classe de qualité très élevée, il n'est pas possible de serrer suffisamment la vis pour s'assurer ce nombre d'écoulements-là. En synthèse, dans cette vidéo, on a vu que quand on serrait un assemblage boulonné, l'effort de serrage allait comprimer les carters, qui allaient se comporter comme des élastiques qui allaient s'écraser, certes de valeur très faible, mais qui allaient s'écraser. Et ensuite, pendant le fonctionnement, il va y avoir un effort qui va avoir tendance à séparer ces deux carters, et cet effort va s'appliquer sur la vis. Donc la vis, elle va s'allonger. Ce qu'il faut, c'est que l'allongement de la vis soit compensé par la dilatation des carters. C'est-à-dire que les carters vont revenir dans leur dimension initiale avant l'effort de serrage. Il faut qu'ils arrivent à revenir suffisamment pour compenser justement l'élongation de la vis. Donc ce qu'il faut, c'est que l'élongation de la vis sous l'effort de séparation soit inférieure à la compression du carter sous l'effort de serrage. Et c'est ce qui explique pourquoi l'effort de serrage est différent de l'effort de séparation de notre système.